Alors, beaucoup savent ici qui sont à Demain la psychanalyse, d'autres ne le savent pas. C'est donc l'association Demain la psychanalyse et vous êtes dans le séminaire public 2020-2021 de Demain la psychanalyse. Ce séminaire a été situé sous l'égide de la chaire de philosophie à l'hôpital que dirige le professeur Cynthia Fleury. Nous devions nous réunir à l'amphithéâtre Morel de Sainte-Anne. Ça n'a pas été possible à cause de cette saloperie, c'est le mot français, de Covid. Donc, c'est par Zoom. Nous allons entrer dans la quatrième séance. Avant, je vous rappelle qu'il y a eu une première séance sur la présence du psychanalyste. Ça, c'est le thème général. La première séance, c'était de la présence en général et du psychanalyste en particulier. Ensuite, la deuxième séance, ce fut la présence réelle ou virtuelle du psychanalyste au cabinet et dans la cure. Et enfin, la dernière fois, troisième séance, la présence du psychanalyste à l'université. Aujourd'hui, pour cette quatrième séance, qui s'appelle La présence du psychanalyste à l'hôpital général et à l'hôpital psychiatrique, ce sont d'autres amis, d'autres membres qui vont parler. Il s'agira de Madame Marina Benoueche, qui est infirmière coordinatrice dans une institution de soins, dans un hôpital, et qui est aussi analysante. Il s'agira de Bernard Roland, qui est psychanalyste. Et il s'agira enfin de Philippe Pony, qui est interne en psychiatrie et également analysant. Voilà, je vais donc passer tout de suite la parole à Madame Marina Benoueche. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme il vient d'être dit, nous sommes au quatrième séminaire de Demain de la psychanalyse. Et ce séminaire, en fait, s'inscrit dans un ensemble qui comportera donc cette séance d'aujourd'hui et une autre séance le 13 mars 2021. Donc, aujourd'hui, pour interroger la présence du psychanalyste à l'hôpital général et psychiatrique, nous avons travaillé en groupe. Et parmi donc Philippe Mauny, Bernard Roland et moi-même, et Valérie Rodet, qui elle sera présente donc au prochain séminaire. Je laisse là tout de suite donc la parole à Bernard Roland pour la première partie de notre exposé. Voilà, bonjour. Nous souhaiterions commencer cet exposé sur la psychanalyse à l'hôpital par un rappel étymologique à propos de l'hôpital et à son sens du côté de l'hospitalité et de l'accueil. Cet accueil concernait à l'origine des populations pauvres et sans défense, des voyageurs, des pèlerins, auxquels on proposait le gîte, le couvert et la protection d'un abri. C'était le plus souvent une institution religieuse, couvent, monastère, puis hospice et asile consacrés aux infirmes, vieillards, orphelins. Au XIXe siècle, les salles d'asile étaient l'équivalent des garderies d'enfants, nos crèches actuelles. Et l'asile, l'établissement accueillant la folie, devenu en 1938 l'hôpital psychiatrique. Cette fonction d'accueil de la personne est devenue moins visible avec le développement de la technicité des soins, fonction à laquelle on identifie d'une façon générale l'hôpital, avec pour corollaire la mise en avant de la technicité et de l'administratif. Nous parlerons donc de l'hôpital en gardant au premier plan cette notion de soins, avec son sens du prendre soin à côté de son sens médical. Et nous questionnerons l'accueil fait à la psychanalyse dans ce contexte. Alors, on va reprendre les choses dans les années 1900. À Zurich, la clinique du Bürgelsee, dirigée par Bleuler, la psychanalyse était présente dans l'abord des psychoses et fut un lieu d'implantation des thèses freudiennes dans les années 1900-1913, avec des noms comme Binswanger, Jung, Abraham, Ettington, et puis un psychiatre qui reviendra en France un peu plus tard, qui viendra en France un peu plus tard, Eugène Minkowski, et Eugénie Sokolnicka, qui sera celle qui introduira en France la psychanalyse. Binswanger se réfère également à la psychanalyse dans sa clinique de Bellevue. La Brunswick Square Clinic à Londres fut sans doute la première clinique au monde à pratiquer la psychanalyse comme méthode de soins
de 1913 à 1922. En Hongrie, István Hoyos, proche de Ferenczi, est médecin-chef de l'hôpital psychiatrique dans les environs de Budapest. En France, la psychanalyse arrive par le livre de Régis et Hénard, Psychanalyse des névroses et des psychoses, en 1914. Et elle arrive concrètement, physiquement, par Eugénie Sokolnicka, née à Varsovie, qui a rencontré son mari à Paris, et pendant qu'elle était étudiante en sciences et biologie à la Sorbonne. En 1911, Eugénie Sokolnicka a 27 ans et elle part faire un stage à Zurich chez Carl Gustav Jung. Puis elle fait une analyse chez Freud et en 1916, elle va de nouveau en analyse chez Sándor Ferenczi à Budapest. En 1921, elle devient la première représentante officielle, légitime, de Freud et sera la première psychanalyste en France. Elle participe à la création de la SPP, Société psychanalytique de Paris. Elle est présentée au professeur Georges Heuyer, qui l'admet à travailler à l'hôpital Sainte-Anne. Elle a introduit la psychanalyse auprès des enfants et va publier l'analyse d'un cas de névrose obsessionnelle infantile. Plus tard, le professeur Heuyer prend sa retraite et il est remplacé par le professeur Henri Claude. Celui-ci exclut Eugénie Sokolnicka de son service car elle n'est pas médecin. En 1923, Georges Heuyer met en place une consultation de neuropsychiatrie infantile. Sans être lui-même psychanalyste, Georges Heuyer fut le premier à avoir introduit la psychanalyse en milieu hospitalier avec Eugénie Sokolnicka, psychanalyste non médecin, puis Sophie Morgenstern, docteur en médecine, analysée par Eugénie Sokolnicka. Il a confié à cette dernière, Sophie Morgenstern, un laboratoire de psychanalyse. Dès sa création, le service propose des séances de psychothérapie dans un certain nombre de cas. C'est bien là un des aspects les plus innovants de la clinique. La création de la SPP, Société psychanalytique de Paris, en 1926, et le groupe de l'évolution psychiatrique en 1925 avec Henri Hay, contribue à une nouvelle approche des maladies mentales inspirée de Freud et de Bleuler. Le professeur Pierre Royer, 1917-1995, présida l'Association internationale de pédiatrie de 1974 à 1983. Dans les années 1950, il fonda la Société européenne de recherche en pédiatrie et fut le créateur de disciplines nouvelles de la médecine des enfants, telles la néphrologie infantile. Ginette Rimbaud, psychanalyste, ira le rejoindre dans son service de néphrologie. Odette Codet, une des premières psychanalystes françaises, eut Françoise Marette comme élève et comme collaboratrice à l'hôpital Bretonneau, où elle soutiendra sa thèse de médecine, psychanalyse et pédiatrie. Françoise Marette, la future Françoise Dolto, prend en charge une consultation à l'hôpital Trousseau. Jenny Aubry, à la Fondation Parents de Rosan, rattachée à l'hôpital Ambroise Paré, montre l'intérêt de la psychanalyse dans la prévention des psychoses. Puis, elle crée la première consultation de psychanalyse entre 1964 et 1968 à l'hôpital des enfants malades. Anne-Lise Stern fera partie de cette aventure. Dans le même service du professeur Royer existe à l'époque une unité du CNRS dénommée Santé et Société. Elle comporte aussi de 1979 à 1983 plusieurs psychanalystes chercheurs, dont Jean-Michel Luca, qui se livrent également de leur côté à des travaux de recherche sur le thème psychanalyse et médecine. Dans les années 1980, une certaine spécialisation des psychanalystes à l'hôpital se fait dans le champ de la pédiatrie
ou de la pédopsychiatrie. En oncologie pédiatrique, certains psychanalystes acquièrent auprès du corps médical une reconnaissance de leur action. On peut citer André Lehmann pour la psycho-oncologie à la PHP, l'assistance publique de Paris, discipline en plein essor aujourd'hui. André Lehmann est psychanalyste, membre des associations Espace Analytique et le Cercle Freudien. Daniel Oppenheim, en oncologie pédiatrique à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Il y fut précédé dès 1968 et dans les années 1970 pour les adultes par Émile Rimbaud, psychanalyste, pionnier par son action auprès des patients et des soignants et ses travaux concernant les patients cancéreux, avec son livre fondamental « La délivrance ». Il faut citer encore Hélène Oppenheim-Gluckmann à la Salpêtrière, dont les recherches sur le coma et les patients comateux font autorité ces dernières années. Encore aussi, on peut citer Janine Mouchonnat, qui, à l'hôpital Saint-Antoine, a longtemps œuvré dès les années 1970 pour maintenir dans différents services la présence clinique du psychanalyste à l'hôpital. On fait le constat que le psychanalyste étant accueilli par un référent du système hospitalier, sa position est dépendante de la hiérarchie hospitalière, notamment des médecins chefs de service. Enfin, petit retour en arrière, à partir de l'expérience de Saint-Alban pendant la guerre, avec Toscaïès et Bonafé et quelques autres, se crée le mouvement de psychothérapie institutionnelle. Jean Houry en sera une des figures. Il s'installe à la clinique de la Borde en 1953. Les cliniques privées de la Borde et de la Chênaie avaient introduit une référence à la psychanalyse dans leur fonctionnement. Alors là, les quelques points que je vais aborder, évoquer, sont tirés de l'état des lieux fait par Serge Leclerc en 1991, l'état des lieux de la psychanalyse et de la psychanalyse en extension. Alors, quelques années avant la sectorisation psychiatrique qui s'est faite en 1960, commence l'expérience du 13e arrondissement avec Diatkine, Lebovici, Pommel, Racavier, 1964. Dans les années 65-70, beaucoup d'internes et d'assistants exerçant dans les hôpitaux psychiatriques entreprennent une analyse, ce qui n'est plus guère le cas actuellement. En 1956, le BAPU, Bureau d'aide psychologique universitaire, propose aux étudiants d'être reçus par des analystes. Certains analystes y ont fait leur cure personnelle. En 1961, Georges Lemaire, psychanalyste de la SPP, crée l'Association française des centres de consultation conjugaux, AFCCC. En 1965, Michel Soulet, psychanalyste de la SPP, crée une consultation de psychanalyse précoce à l'Institut de puériculture à Paris, dans le 14e arrondissement. Après le colloque sur les psychoses en 1967, Maud Manoni fonde en 1969 avec Robert Lefort l'école expérimentale de Bonneuil pour enfants et adolescents autistes, psychotiques ou présentant des névroses graves, qui deviendra hôpital de jour en 1975. En 1970, l'Institut La Mauricière à Nantes recrute, figure exceptionnelle, des psychanalystes rémunérés en tant que tels. Il s'agit d'un ITEP, établissement thérapeutique, éducatif et pédagogique. En 1971, avec la création du titre de psychologue, des postes hospitaliers sont créés, beaucoup parmi ces psychologues sont dans un parcours. Les institutions privées ou publiques pour enfants et adolescents en difficulté,
les CMPP, les CAMS, les IMP, les IMPRO, l'AMO, les IRP, intègrent la psychanalyse à leur technique de soins dans ces années-là, dans les années 70. De 70 à 78, un dispensaire de la rue Falguière s'occupe de psychosomatique, de même que l'hôpital de psychosomatique de la Poterne des Peupliers, avec des gens, la plupart appartenant à la SPP. En 1979, François Dolto ouvre la première maison verte. La question de la prise en charge de l'autisme sera pendant plusieurs années l'objet de débats parfois violents entre les parents d'enfants autistes et l'institution hospitalière et les psychanalystes. Les associations de parents contestant que les autistes soient accueillis dans les hôpitaux de jour psychiatriques, l'autisme, d'après eux, n'étant pas une maladie mentale, et ces associations de parents obtiendront de faire reconnaître l'autisme comme un handicap en 1996. 1982, le sida, la création de lieux de suivi et d'écoute, notamment Sida Info Service en 1990, le kiosque en 1992 et Espace en 1992, lié au secteur public avec le psychanalyste Serge Éphèse. En 1986, la circulaire Larocque sur les soins palliatifs. Les soins d'accompagnement visent à répondre aux besoins spécifiques des personnes parvenues au terme de leur existence. Plusieurs lieux fonctionnent en ce sens, de prendre en compte la souffrance psychique. Des psychanalystes y interviennent, voire Jean-Michel Luca à la Salpêtrière, entre autres. En 1986, à l'hôpital de Saint-Égrève, avec l'appui officiel de la DAS, une équipe de psychothérapeutes cooptés a mis en place le PARI, psychothérapie, application, recherche intersectorielle. Tout ça sont les données de Serge Leclerc. En 1991, donc, état des lieux de la psychanalyse de Serge Leclerc, il fait dans le chapitre 3 un inventaire des lieux où la psychanalyse est prise en compte. Serge Leclerc situe l'extension de la psychanalyse dans les années 1950-1960 avec l'intérêt des internes et des assistants pour la psychanalyse et l'impact de l'antipsychiatrie de Lang et Cooper. À l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, une consultation psychanalytique fonctionne. Le professeur Barois travaille sur les névroses traumatiques. Fondée en 1997, l'association Psychanalyse et Médecine, APM, rattachée à l'hôpital de la Salpêtrière dans le service de Houchang-Guyardi, se réfère à la psychanalyse de Freud et de Lacan. À partir de 1996, Jean-Michel Luca commence un travail sur le psychanalyste à l'hôpital général, qui donnera lieu à trois publications en 1996, en 1999 dans la revue Essain numéro 4, en 2003 dans la revue Le Coq et Rond numéro 174. Cette expérience de psychanalyste-chercheur, commencée en 1979-83 dans le service du professeur Royer au sein de l'unité du CNRS, cette expérience d'analyse chercheur de Jean-Michel Luca se poursuit en 1996 au sein de services de rhumatologie, de consultation générale de médecine, d'unité mobile d'accompagnement en soins palliatifs et en consultation douleur. Ce travail, en lien étroit avec les équipes médicales, se fera sur la base du bénévolat jusqu'en 2020.
sans explication claire, il sera mis fin par l'institution hospitalière à ce travail clinique psychanalytique. En 2004, la maison a créé la maison de Solène, près de l'hôpital Cochin. En 2004 encore, le rapport de l'INSERM sur les psychothérapies. L'INSERM, en 2004, publie un rapport comparant psychothérapie familiale, cognitivo-comportementale et psychanalytique brève. Cette étude a conclu au mieux à un faible et le plus souvent à l'absence de bénéfices de la cure analytique par rapport aux autres thérapies, notamment cognitive de l'INSERM, est jugée partiale dans sa méthode par les psychanalystes qui réfutent la méthode d'évaluation qu'ils jugent inappropriée à leur pratique. Le rapport est désavoué le 5 février 2005 par le ministre de la Santé. Louable ni mesurable et annonce le retrait du rapport du site du ministère de la Santé et que les psychanalystes n'en entendront plus parler. Ce fait soulèvera de nombreuses réactions critiques, y voyant une censure du rapport à cause de ses conclusions plus favorables aux méthodes non psychanalytiques. On est là depuis les années 1960, devant le développement des différentes thérapies, dont les thérapies comportementales, qui s'implantent dans de nombreux lieux d'accueil. Ceci sur un fond polémique, avec des réactions plus ou moins violentes, suscitées par cette extension de la psychanalyse dans le champ social. Médecine, autisme, pédagogie, justice. Excusez-moi. Notons dans ces polémiques le livre noir de la psychanalyse en 2005, puis les réactions de Michel Onfray en 2010 et celles à la fois polémiques et violentes de Sophie Robert. En 2012, la Haute Autorité de Santé, dans une recommandation sur l'autisme, énoncera comme non pertinente les prises en charge psychanalytiques et psychodynamiques et de psychothérapie institutionnelle. En 2014, Psychanalyse et médecine à Clermont-Ferrand. En 2015, les attentats de Paris ont relancé les recherches sur les traumatismes et impliqué la mise en place d'un dispositif d'urgence en 2013. Il y avait aussi eu, en 1995, d'autres attentats, notamment celui de Saint-Michel. Donc, ce dispositif d'urgence comprend les CUMP, cellules d'urgence médico-psychologique, référées à l'ARS, l'Agence régionale de santé, comme prise en charge du syndrome de stress post-traumatique, avec une référence aux psychothérapies TCC, EMDR, dynamique, familiale, etc. En 2020, nous vivons l'apparition de la pandémie du Covid, et là, je vais passer la parole à Marina Benaouich. L'apparition du virus Covid a révélé à quel point l'hôpital était en crise et en crise depuis plusieurs années. Cet hôpital est entré depuis près de 30 ans dans une logique qui est celle que sa gouvernance est désormais régie par les lois de l'entreprise et des modèles managériaux issus de l'entreprise. Le sujet n'est plus comme avant un esclave à qui on s'impose par la force physique dans un style de management qu'on a appelé le management de type autoritariste. Le management actuel implique le salarié, l'invite à participer dans un management qui cette fois-ci prend le nom
de management participatif, à penser par lui-même la façon dont il va désormais atteindre les objectifs fixés d'un commun accord avec la direction de l'hôpital. Les évaluations de l'état de santé des activités de service sont représentées sous forme de graphiques, de courbes et de chiffres. Seuls comptent les chiffres qui sont présentés à l'ensemble des équipes médicales de semaine en semaine sous forme de reporting d'activité. Ces chiffres envahissent toute activité hospitalière. Nul ne sait d'où ils viennent. Leur objet est réel, concret et coupé de la réalité. Or, ce qui définit un symbole, c'est précisément qu'il relie un signe avec un objet réel. Devant ces chiffres, plus rien ne fait signe, le réel disparaît et le sens commun s'y perd. Et c'est cela précisément qui a été mis à jour dans les médias au cours de la crise dite Covid par un certain nombre de médecins-chefs de grands services hospitaliers parisiens mais aussi de province. Pour la première fois, publiquement, a pu se dire que l'activité hospitalière est en souffrance et que menée de cette façon-là, elle est une souffrance pour les sujets qui y sont soumis. Le discours de l'entreprise hôpital ne permet pas au sujet de donner à sa parole un sens. Il ne permet pas le travail de subjectivation qui pourrait l'aider à se dégager de sa position d'objet. Cette exigence portée sur tous les services à une communication normée de l'activité est une violence qui s'exerce sur les soignants en les réduisant à des exécutants à qui l'on demande de ne plus penser, mais de coder leurs actes pour alimenter ces reportings, ces tableaux d'évaluation de la performance. Par ces tableaux d'évaluation de la performance, le sujet est enfermé dans un système de représentation chiffrée sans signification. On ne peut s'adapter à ces programmes qu'en s'y soustrayant en tant que sujet. Le Covid n'est pas une crise, c'est un virus. Et il y a une pandémie mondiale qui, elle, a révélé la crise institutionnelle des hôpitaux. Les médecins-chefs de plusieurs services, par la suspension des codages informatiques des actes, ont remis une nouvelle fois en exergue le problème de la financiarisation des organisations de travail et des personnes qui y exercent. Ils l'ont fait, cette suspension de codage, pour enfin avoir le temps d'exercer leur métier, pour s'occuper des malades, faire vivre leurs désirs. Cette crise a été révélatrice d'une crise du désir. Le danger d'aujourd'hui est la désubjectivation du sujet dans un lieu institutionnel au sein duquel tout est fait généralement pour neutraliser, barrer toute possibilité d'expression et de prise en considération de la subjectivité. Ce processus de désubjectivation, c'est bien un processus, un ensemble d'actes qui se sont mis en place dans le temps. Ce processus n'est pas naturel, il ne s'est pas mis en place spontanément. Cette désubjectivation est construite, pensée, organisée, sous la forme de mise en place au sein des institutions hospitalières d'organisations de travail qui émanent de modèles industriels. Comment sortir de cette situation où, devant les tâches épuisantes, nombre de soignants envisagent de quitter l'hôpital, perdant leur motivation désirante face à ce discours gestionnaire? Redonner du sens et faire circuler la parole dans cette situation inédite de pandémie semble une direction nécessaire, et cela peut concerner la psychanalyse et les psychanalystes.
Au travers de cet exposé, nous avons essayé de donner un aperçu des nombreux lieux d'accueil et de soins que nous avons qualifiés d'hospitaliers, pouvant donner lieu à l'intervention d'un psychanalyste. D'autres lieux existent plus spécifiquement, créés par des psychanalystes et des écoles de psychanalyse, l'ASPP, l'école de la cause freudienne, les forums du champ lacanien. Dans ces lieux hospitaliers, néanmoins, le constat est le suivant. En l'absence d'un pouvoir médical autorisant la présence d'un psychanalyste, en l'absence de légitimité méthodologique face aux nouvelles pratiques psy, valorisées comme opératoires et évaluables selon les normes qualité en vigueur, en l'absence de financement et de lignes budgétaires dédiées. Marina, oui. Une chose, attention à tes feuilles qui doivent toucher le micro et faire grésiller. Je reprends ? Oui, reprends, excuse-moi, mais parce que ça fait du bruit, je crois que c'est tes feuilles. Je vas-y, reprends où ? Reprends où t'en étais. On continue, mais ça sera plus net si ça ne frotte pas les micros. D'accord. Donc, dans les lieux hospitaliers, le constat est le suivant. En l'absence d'un pouvoir médical autorisant la présence d'un psychanalyste, comme nous l'avons vu avec le professeur hier au Royer, ses médecins-chefs, en l'absence de légitimité méthodologique reconnue à la psychanalyse, face aux nouvelles pratiques psy valorisées, elles, comme opératoires, évaluables selon les normes qualité en vigueur, en l'absence de financement et de lignes budgétaires dédiées, et dans le contexte fluctuant de l'intérêt pour la psychanalyse dans notre société, la question est la présence du psychanalyste